C'est la dernière séance d'entraînement avant le grand départ pour Bali. Pendant 6 jours, Adeline, Nadège et leur amie Florence vont enchaîner les épreuves sportives du raid L'Arbre Vert Amazon. Un raid en équipe 100% féminin où le trio vendéen ne compte pas faire de la figuration. On y va vraiment pour gagner parce qu'on est toutes les trois des challengeuses. Parce que se dépasser, sortir de sa zone de confort, ça fait partie de nous. Ça faisait partie de ma liste des rêves de faire un raid dans ma vie. Donc voilà, je réalise mon rêve. Nadège est la seule de l'équipe à avoir déjà participé au raid Amazon il y a 3 ans. Course à pied, VTT, canoë, la coach sportive de 27 ans connaît donc très bien la difficulté des épreuves qui les attendent. C'est dur, surtout au niveau des conditions climatiques, parce que bon, c'est pas du tout les mêmes que chez nous. Donc effectivement, il faut qu'on se réadapte à la chaleur. Aussi là, du coup, à Bali, l'humidité. Bon, 10 km de course à pied, ça paraît tout simple comme ça. Après, tout dépendra du dénivelé. On ne sait pas du tout comment ça va être, quel va être le terrain. Est-ce que ce sera du sable? Est-ce que ce sera des rochers, de la terre? On n'en sait rien. Donc on verra sur le moment en fait. Ce qui est sûr, c'est que le trio vendéen affrontera 75 autres équipes de baroudeuses du 6 au 15 octobre prochain. Découvertes, dépaysement et dépassement de soi seront évidemment au rendez-vous. Les sportives sont prêtes et décolleront mardi matin. Leur coéquipière Florence rentrera tout juste d'un Ironman à Barcelone.